Dans cet exemple, on a un professeur en situation naturelle en amphithéâtre, mais il a beaucoup d'interactions avec les étudiants. Ceci est un MOOC américain, donc on a une production digne d'un bon film hollywoodien avec des dizaines de caméras. Vous essaierez de compter combien de caméras il y a, et surtout beaucoup de micros, des étudiants qui savent utiliser les micros, qui sont d'accord pour être filmés et diffusés publiquement. Regardons tout de suite l'exemple. This is a course about justice, and we begin with a story. Suppose you're the driver of a trolley car. Nikolai, if you didn't think you'd get caught, would you pay your taxes? I don't think so. Do I think I should be able to bid for a baby? I'm not sure. It's a market. Do you think Bentham is wrong to add up the collective happiness? I don't think he's wrong, but I think murder is murder in any case. Well, then Bentham has to be wrong. If you're right, he's wrong. Okay, then he's wrong. All right. Right. Thank you. Well done. Dans cet exemple, on remarque une production audiovisuelle avec un matériel et un dispositif très lourd, mais qui donne un résultat assez satisfaisant puisque les caméramans vont se focaliser là où il y a de l'action, c'est-à-dire les personnes qui parlent. Il se trouve que ce cours est très interactif et donc convient bien à la modalité vidéo avec cette installation très lourde.